la youtubosphère. J'espère que vous la allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais faire des choses exceptionnelles pour remplir votre vie de bonheur. Hola, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Hola mes petits lapinous d'amour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Non, mais si t'es ouf ou quoi? Moi. Non, fais-la. Si, t'es en train de te moquer de moi. Non, j'adore, t'es ouf ou quoi? J'adore. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Si vous ne me connaissez pas encore et que vous êtes nouveau sur ma chaîne, je suis Blueja, bienvenue. Aujourd'hui, je suis pas dans mon studio comme vous pouvez le voir. Je suis chez une copine qui s'appelle Randy. Et j'ai décidé que j'allais faire une grosse bêtise aujourd'hui. Et je vais bien sûr le filmer. Puis ma pote est là du coup pour... être témoin. Salut. Qu'est-ce qu'il faut que je vous dise? Il faut que je vous dise évidemment ce que je vais faire aujourd'hui. Je voulais dire, je vais vous donner des indices, mais évidemment ça va être marqué dans le titre en gros, parce que sinon c'est pas drôle. J'ai décidé ce matin en fait que je voulais me donner un eyebrow cut. Et en fait c'est juste ce qu'on faisait dans les années 90, là, une petite coupure dans le sourcil. Et je trouve ça grave stylé. Et j'avais jamais envie de le faire parce que j'avais trop peur que ça fasse vraiment schlag sur moi. Mais vu qu'en ce moment je me maquille quand même pas mal, je me dis que ça peut passer. Non? Oui, mais tu peux parler aussi. Ouais. Je suis allée à la recherche, vous savez, des petits rasoirs là avec juste une lame, les trucs qu'on voit souvent sur Wish et tout. Bien sûr, il n'y en avait nulle part. Du coup, je me retrouve avec des rasoirs normaux, une lame. Et je vais essayer de faire ça avec ça. Franchement, je pense que ça va être un gros échec. J'ai surtout peur de me faire une très très grosse coupure. Mais on va voir. J'ai une formation de premier secours. Mais on avait dit aussi, meuf, qu'on allait se faire des petits masques. Oui. Oui, donc on se fait des petits masques. Oui. Tu m'as promis, on fait des masques. Oui. On va pas y arriver. Oh, je vais... Je sais. Alors là, c'est vraiment complètement débile. Je vais faire mon eyebrow cut tout en mettant le masque des mains sur mes mains. Et évidemment j'ai un masque de pied aussi. Je vais pas vous montrer mes pieds parce qu'on va avoir le choix entre les fétichistes et ceux qui sont phobiques. Maintenant j'en arrive à un stade où je vais chez Sephora toutes les semaines, au moins une fois par semaine. Et je dépense beaucoup beaucoup trop d'argent. Donc va falloir que je fasse une cure de désintox Sephora. Derrière il y a écrit... c'était efficace, il y a écrit ça marche. C'est froid. C'est hyper hyper bizarre. J'ai l'impression d'avoir mon pied dans une cape. Ah, tu mets... Ah mais je crois que j'ai pas mis comme il faut. Tu le mets dans l'espèce de... Pour une fois je vais avoir les pieds qui sont genre plus bons que mon corps. Je pense qu'ils vont nous entendre rigoler pendant tout le truc. La compile du rire. En vrai meuf, faut que t'essayes de marcher avec, c'est trop drôle. Ça glisse de ouf. Tu veux pas une main? Si. Allez, je prends la right ou la left? Pique et plouf, bah pip. Ok, alors, c'est Randy qui va décider sur quelle main je vais mettre un masque et du coup quelle main j'aurai de libre pour me faire mon eyebrow cut. Donc vas-y, décide. Je décide. Ben moi je prends celle-là. Toi tu prends celle-là? Ouais. Oh, c'est méchante en vrai parce que du coup... Non mais je vais vraiment galérer de ouf. Je fais quel sourcil d'ailleurs? Mon beau profil. Je sais plus quel profil c'est, mon beau profil c'est lui. Lui? C'est très bizarre. Je pourrais jamais le faire ça avec le masque. Essaye d'être précise avec ça. Ouais meuf, tu vas trop galérer. Ben ouais. Et je vais me raser tout le sourcil là. Mais j'ai envie de te dire, t'as eu l'idée toute seule. Hein. Bah je me suis dit challenge, tu vois. En fait je vais commencer par me démaquiller un tout petit peu ici. Parce que je vais évidemment devoir me faire le cut ici. D'ailleurs, est-ce que je le fais avant ou après l'arche? Faudrait que je regarde des photos. Je crois qu'il faut que je le fasse après l'arche ou dans l'arche. Oh, j'ai trop peur que ce soit moche. Genre, moi je pense à là. Oui. Oui. Ici, et sinon je sais pas. Attends. Sinon, carrément là, regarde.
Regarde-moi. Non, ça va pas, je vais pas faire ça là. Hein. Non, mais au milieu là. Juste avant, l'arche. Non, j'ai vu des photos, c'est pas beau. Mais gauchère, je vais galérer. Je vais perdre mon sourcil. Ils sont où tes petits signaux de tout à l'heure? Tu les as pris? Non, c'est toi qui les as posés quelque part. Bon alors maintenant, ça va être le moment de vérité. Savoir si oui ou non, je peux être précise avec ce genre de gants. Mettez sur pause, commentez directement si vous pensez que je vais réussir ou non. Et puis comme ça, au moins, je vais voir qui croit en moi, qui a foi en moi. Moi, je pense que tu vas réussir. Ah ouais? Oui. Tu penses? Oui. Je vous fais un peu d'ASMR. Tu vas faire mon assistante ou pas, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Merci. Mais ça consiste en quoi? Ça consiste en déjà appelons les pompiers si jamais je me rase l'œil. Et puis je sais pas, me donner un coup de main par exemple. Je vais faire un petit trait juste indiqué. En vrai je suis dérangée quand je dis cut parce que en hollandais c'est un gros mot. Oui, c'est vrai. Ouais, en hollandais cut c'est pas du tout couper ou coupure. Ça veut dire quoi du coup? Ben je vais pas le dire. T'es sûre? Oui. Pas le droit aux gros mots sur YouTube. Pourquoi je fais ça? Je crois que c'est... c'est trop dans l'arche. Pourquoi tu te fous de ma gueule? Pourquoi tu te fous de ma gueule? Je crois que je vais d'abord commencer avec les ciseaux. Oui. Je suis vraiment en train de faire ça avec un gant. Vas-y. Vas-y. Juste je coupe comme ça là? Vas-y. Parfait. Bah non, là ça a juste fait une coupure. Regarde-moi. Mais là ça se voit même pas. Bah démaquille-toi. Mais je pense qu'il faut que t'épiles aussi. Hein. Oui, je vais faire. Quoi? Oui. Oui? Ouais. Bon bah du coup j'ai réussi à le faire avec un gant. T'es fière de moi? Extrêmement fière. Vraiment waouh. Incroyable. Je t'ai dit t'as trop de talents mais. Des talents multiples. Bien sûr. Fais voir, je peux voir de près. Regarde-moi, direct là. Moi j'enlèverai un peu au-dessus là. Oui mais au-dessus non parce que c'est là où je me maquille. C'est je me maquille jusque là hein. Ah ouais d'accord, ok. Donc là je garde et j'essaye de me maquiller pour voir ce que ça donne. Vas-y, sinon moi j'en enlèverai la pointe alors. Là là, au-dessus. Non, je vais pas enlever la pointe. Bah là là, les poils au-dessus là. Ah au-dessus oui. Que ce soit clean. Quitte à avoir un beau sourcil, tu te fais un sourcil nickel. Le but c'est pas non plus de m'étrangler. Ah ça fait trop bizarre quand quelqu'un d'autre te le fait. Arrête de hausser et déhausser les sourcils, s'il te plaît. Et là, t'as mal? Non, j'ai pas mal, je suis pas une tapette non plus. Alors, je peux te faire la ligne d'en dessous, s'il te plaît? Oui. Super. On voit pas mon nez qui dépasse? Pas du tout. C'est dans la cam? Pas du tout, ton nez, il est là et la caméra, elle s'arrête là. Pourquoi est-ce que t'es obligée de me tenir la bouche? Parce que sinon, j'ai pas d'équilibre. Attends, mais mets-toi autrement. Attends, je me mets droite, voilà. Ouh. Esthéticienne Randy. Alors je suis ouverte tous les jours de 10h à 12h30. Ah oui, tu bosses pas beaucoup. Hein. Non. Et j'aime bien déposer les poils en fait, juste ici, c'est très professionnel. J'ai la passion du poil depuis que j'ai 10 ans. Ah oui, quand même. Mais j'avoue, pourquoi tu me déposes les poils sur ma joue en fait? Bah tu veux que je les dépose où? Par terre. Pff, le chemin est trop long. Non, tu souffles. Mais meuf, ça fait mal. Et hop, tu vois, un petit coup de balayette. C'est pas bien encore, il y en a encore des poils. Hein. Tu me fais l'autre aussi? J'ai pas signé pour ça, tu sais. Si tu pouvais me regarder aussi par moment, en fait, que j'ai pas épilé là-bas, tu vois, de l'autre côté de la pièce, ce serait peut-être pas mal. Et rapproche-toi de moi aussi. Je veux pas. Tu peux décaler ton aspirateur, s'il te plaît. Je te préviens tout de suite, j'ai pas envie que ma tête elle finisse. Non, alors là, on voit ton nez par contre. Sinon, je te le floute si tu veux. Je vais flouter. Tu peux mettre la tête de Céline Dion à ma place? Oh, oui. Grave, oui, je peux. Ok, vas-y. Madame a un bac pro montage. Oui. Et CAP quoi déjà? Mentaliste. Ah oui. Ta
très de beaux yeux, tu sais. Entre toi et ta sœur, je sais pas qui choisir. Ouais, mais ça, elle a les plus beaux yeux aussi. C'est le même bleu. Luca, big up! Si tu passes par là, gueule pas! Et ferme. Hop, voilà, c'est bon. Trop bien. En fait, ça change pas du tout. Je sais pas pourquoi j'ai stressé comme ça. Hein. Vas-y, maquille-toi, tu vas voir, ça va être cool. Tu penses que ça va être beau? Ça va être magnifique. Ça va t'aller trop bien à toi, moi. Moi, tu le fais. On dirait que je me suis loupée. On va croire que je me suis loupée, tu vois. Tu dépasses le scotch, quoi. Bon, je vais me maquiller maintenant. Et puis, on va voir à quoi ça ressemble. Oh, j'ai la main grave douce. Mets-le sur ton autre main, tu vas voir. Oh, j'adore. Trop bien. Donc là, j'utilise le petit bronzing de chez Benefit. Et moi, j'utilise le numéro 2. Et j'ai acheté chez Sephora le crayon, le pinceau à sourcils numéro 12. Et puis, let's go, je vais me maquiller ça. Et on va voir si c'est joli ou non. Comment je fais, du coup? Je sais pas trop comment faire avec un cut. Au risque de te choquer, je pense qu'il faut que tu le coupes en fait. Que je le coupe? Ouais, que tu fasses un morceau là et un morceau là, tiens. Hein? J'ai pas compris là. Bah, que tu... moi je commencerai là, pareil. Ouais. Et après tu fais là. Oui, c'est ce que je fais. Bah voilà. Oui. Tu vois, j'avais rien à dire. Non, donc tais-toi. C'est cool, hein. C'est vrai, t'aimes bien? Ouais. Je crois que j'aime bien aussi, hein. Je sais pas pourquoi j'ai stressé comme une malade en vrai. It's nice! Fresh and fresh! Je dirais que t'as une cicatrice vénère. Ouais, ma gueule, moi y'a un lion qui m'a attaqué quand j'étais gamine, wesh. Exactement. Et après j'ai réussi à le dompter. Le lion. Le lion est en toi. Ouais. Voilà mon petit eyebrow cut. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Oh punaise, ça va être rigolo à monter. Alors, qu'est-ce que je disais? J'étais en train de faire ma phrase de fin. Bon, j'arrête. Randy, je fais plus de vidéos avec toi après. D'accord. Aucun problème. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez bien ou si vous trouvez que ça fait super schlag. Perso, j'aime bien ce côté un petit peu Destroy, un petit peu des années 90, genre Bad Girl. Enfin, ouais. J'aime bien. Du coup, maintenant, je vais enlever mon masque de pied parce que là, ça commence à bien faire. J'ai vraiment l'impression que mes pieds sont en train de devenir tout fripés comme dans une baignoire. Si vous ne me suivez pas encore sur mes réseaux sociaux, j'en ai qu'un, c'est Instagram. T'as fait quoi? J'ai déchiré mon masque de pied, pardon. Joli. Tu veux pas rester tranquille 2 minutes le temps que je fasse ma fin? Si. Attends, j'enlève tous les masques avant. T'as dit. Oh, je suis toute rouge maintenant. Je disais quoi? Je disais, ah oui. Si vous ne me suivez pas encore sur les réseaux, j'en ai 15, c'est Instagram. Bah non, parce que YouTube c'est aussi un réseau social, non? Au final, oh. Bah abonnez-vous à ma chaîne et suivez-moi sur Instagram. Exactement. Randy l'a dit, abonnez. Abonnez-vous à ma chaîne et suivez-moi sur Instagram. Bye. Ouais, mais non, c'est pas comme ça ma fin. C'est, il faut laisser le temps pour que je puisse mettre le truc Instagram, tu sais, mon petit truc de téléphone là avec le machin, avec mon petit Blueja. Ici vous avez donc tous mes liens. Et puis mon joli petit truc, abonnez-vous pour YouTube. Du coup je dis quoi? Bah je dis plus rien parce que je viens de le faire. Si vous avez kiffé cette vidéo un peu détente et aussi entendre la voix charmante de Randy dans cette vidéo, laissez-moi des gros... Laissez-moi des maxi pouces. À 1000 pouces en l'air, Randy viendra devant la caméra avec moi. Donc n'hésitez pas, laissez-moi des pouces en l'air. Et puis je vous dis à très très bientôt. En attendant, prenez soin de vous et je vous fais des gros bisous. T'aurais pu gueuler. Et je vous fais des gros bisous. Merde.